Certainement. Et on descend. Deuxième niveau. Que désirez-vous? Alors, encore un doppelganger. On va le buter. C'en est fini de vos vies inutiles. Alors, il y en a partout des doppelgangers. Sur les murs extérieurs, on va y aller, tranquille. Il me faut être d'accord. Salut toi. Tous les personnages qu'on avait rencontrés dans le prologue, Jean de Dalar et compagnie. C'en est fini de vos vies inutiles. Oui. Ce sera fait. Ouais. C'est quoi ça? Ça je crois qu'il y a un coffre piégé ici. Si vous ne voulez pas que je vous décapite. Parlez. Certainement. Qu'est-ce qu'il y doit un parchemin de mémoire de... Si pas quelque de chose a dû vous échapper quand je vous ai expliqué que j'aimais être seul. Ouais. Moi j'en veux pas. Hein. Oui. Sans aucun doute. Il y a quelques vous pièges sur les côtés. Je vais essayer de les détecter. Votre tâche. Je veux pas parler. Voilà. Ça a intérêt à en valoir la peine. Ah, deux personnages, ce sont les seuls non-doppelbangers du niveau. Je pense qu'ils ne viennent vers nous. Allez, que... pourquoi moi? Si Kaya est en vue, le personnage principal. Voilà, Hull, enfin le faux Hull. Et la rivière de au nom de charge. Ce sera fait. Qu'est-ce qui doit disparaître? Parlez. Certainement. Il va y avoir 2-3 par côté, hein, piège. Ah là c'est qui? Elles avaient quelque chose en tête? 40. Donc on voit que... L'île Allure. Château-Sud fait quand même... Hey. Chanteur de nuit. Oui. Donnez-moi de la force. Largement aux mains des doppelgangers. Il me faut le seul truc qui soit mieux que de l'or. C'est encore plus d'or. Là, on a fini pour ce côté. Qu'est-ce que c'est? Tu détectes pas de piège, toi, ça m'étonne. Je ferai votre tâche. Il me semble qu'il y a des pièges là sur les côtés. Je voudrais pas marcher dessus plus tard, alors tu vas me détecter ça et me désamorcer ça. Hein. Il me semble qu'il y en a par là, ici ou là. Dans le coin. Peut-être dans le coin, en diagonale. Ah non, pas en diagonale. Ok, parlez, donc on va sans aucun doute. On va longer les murs. Liquider tous les doppelgangers. Et après on ira au centre. Au centre, en principe, il y a des squelettes. Et dans mon installation, il y a des groupes de combattants squelettes. Et autant dire que ça tape... Ça a intérêt, hein. Enfin, occupez-vous de votre lame. Oui. J'attends bon, vos instructions. Si, normalement ils viennent. Et eux, ils sont réels. Ils marchent sur le piège alors qu'il n'y a rien. J'ai besoin d'une bonne vieille bière de chez nous. Vous devez m'aider à sortir. Bon, en fait, ils vont rien faire. Qu'est-ce qui doit disparaître ? Si jamais on les insulte en disant « Vous êtes un sale doppelganger », ils deviennent hostiles, on perd de la réputation. Qu'est-ce que c'est ? Je suis d'accord. C'est pas utile. Bon là ils vont Mal. Suivre le groupe. Allez me chercher de quoi manger. Vous m'avez. Ah, raison, vous feriez mieux de prêter attention. Au jour merveilleux. Calou, Cali. Rivor avec ses rats à détruire. Parlez. Moi, d'assez mauvaise humeur, sans que vous. Ce sera fait. Ça a intérêt à en valoir la peine. Ah. Bon, il doit y avoir encore un ou deux pièges là, non? Le long des murs. Oui, certainement.
Hein? Parda! Qu'est-ce qu'il voulait, Parda? Déjà, je me souviens plus. Ça vaut les derniers instants de vie. Qu'est-ce qu'il doit disparaître? Laissez-moi tranquille, si vous ne voulez pas que je vous décapite. Qu'est-ce que c'est? Sans aucun doute. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de piège. Parlé. Quelque chose a dû vous échapper quand je vous ai expliqué que j'aimais être Parlez. Seul. Ce sera fait. Ça a intérêt J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Fuller, le capitaine oui. des gardes. Moi, laissez-moi mes humains. Là, il n'y a rien. On va revenir sur le bas. Il n'y a pas de piège ici. Je suis étonné, hein. Qu'est-ce que c'est? Sans aucun doute. Bon, il n'en détecte pas, il n'y en a pas, là, sûrement. Alors, par contre, on va se préparer un petit peu. Ça se trouve, il n'y aura rien, hein, mais... Dans le doute. Olot Zar? Dans le doute, on va faire Tiens, on va convoquer des squelettes, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas convoqué. On va faire une résistance à la peur. Qu'est-ce qui doit disparaître? Toi, tu vas prendre ton épée. Tu vas boire Qu'est-ce qu'on a en grande quantité? Ça, potion de force de géant des pierres. Toi, tu vas lancer... Votre voix est exquise. T'en as peut-être plus. Si, t'en as encore. Voilà. Jal Kales. Toi, tu vas lancer... Est-ce qu'on a... Ouais, harmonie défensive, ça fait tout à l'heure. Allez, dépêche-toi. Parlez. Ce sera Et fait. Et puis là, on va foncer. On va buter tout ce qu'on va trouver. Eh ben on trouve rien. Ah bah c'est ballot. Ah bah y a rien du tout. Bon bah d'habitude il y a des squelettes ou des combattants squelettes, bah là rien. Alors c'est pas grave. On va faire avec. Et là, passant. C'est cette folie, mon enfant. D'un vieil homme. Bon, encore des doppelgangers, hein, ils essayent de nous. De nous piéger, mais... On a décidé qu'on allait vous buter. Alors celui du centre, le Hellminster, là, c'était un grand. Les autres sont des petits. Le premier valait combien? 4000, voilà, celui-là 80. Là il y a encore quelques bonhommes avec l'apparence de personnage de Château Suif. Hein. Non? Si. Mon hôtel est aussi propre. Et la rivière de charge. Oh, il y a un squelette ici. Oui, certainement. Ici, on a qui? Allez, en voilà un, allez. Goûtez-moi ça, goûtez-moi ça. Encore un autre, allez. Et encore un. Et on a fini pour ce deuxième niveau du labyrinthe. Du labyrinthe des catacombes. C'était pas très compliqué, mais bon. Là, on va peut-être faire une petite sauvegarde. Ça fera pas de mal. Troisième niveau des catacombes. On risque d'être accueilli par des araignées éclipsantes ici. Ah, voilà.
Un petit paquet d'ailleurs. Combien là? Par amour de l'argent. Savoure tes derniers instants de vie. Certainement. Alors ensuite. Si dans l'espace juste en dessous, il y a dans le jeu normal Pratt et trois de ses hommes. Qu'est-ce qui vont nous tendre une embuscade. Dans mon jeu, ils sont invisibles et il y a souvent des petits problèmes de génération de créatures. Il est possible que Pratt soit tout seul. Ce serait pas la première fois. Alors on va protéger tout le monde. Parlez. Vous venez encore me déranger? Histoire d'assurer un minimum. Vous m'avez parlé. Vous commencez à me porter sur les nerfs. Edwin, tu vas lancer hâte. Ça a intérêt à en valoir la peine. Oui. Dans mon jeu avec stratagème, Pratt est accompagné par deux élémentaires de l'air. Il Qu'est-ce est ici, que quelque part. Qu'y a-t-il, Matt? Je suis tout à vous. Pardon. Vous avez besoin de quelque chose? Voilà, invisible. On va pas faire dans la dentelle. Ça vous regarde pas. Hop, 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 hop. Ah! Kaya a été labyrinthée. Je veux pas parler. Bien sûr. Ça, c'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qui doit disparaître? Je ferai votre tâche. Vous venez encore me déranger? Bon, on va essayer de paralyser Pratt. Non! Arrêtez de me toucher! Les élémentaires d'air qui allez, doivent être invisibles dans d'accord. Le coin. C'était une excuse, mais je crains d'avoir oublié. Voilà, on va lancer des trucs. Quelque chose vous dérange? On va réessayer de le paralyser. Vous commencez à me porter sur les nerfs. On va enlever ça. Virtus Lich. Chaos sur Xar. Phil. Cela n'en vaut pas la vous peine. M'avez... Occupez-vous de votre larme. Kalès n'a eu. Qu'y a-t-il à vos ordres? Pour le moment. Non. Arrête. Oh oui, oui, oui. Parlez-moi vous des lapins. Encore, si je n'ai pas le choix. Parlez. Qui c'est qui me frappe là? Bon, butez-moi cet élémentaire d'air. J'aille puisse l'obscurité s'imposer. Que d'un œil, chanteur de nuit, donnez-moi de la potion. Force. Quelque chose vous dérange? Ouais, ça me dérange qu'on réussisse pas à le paralyser. Ah bah voilà. Oui. Allez, butez-moi ça. Et comme on le remarque, Pratt est tout seul, on voit pas ses copains. Donc il doit y avoir un problème de génération de créatures. Allez, butez-moi là, ce gars-là. Il me faut pourquoi moi? Non, bah ils sont pas là, ces copains. Je sais pas où ils sont. Ils apparaîtront pas. Hein. Non. C'est pas grave, hein, c'est pas un combat. Ce qu'ils veulent détruire. Très passionnant. Hop. Tiens, ça, c'est quoi? Tu l'as? Non. Eh bah tu l'as toujours pas. Ça, je suis pas sûr que tu l'aies. Image miroir, très bien. Chance, on s'en fout. Ça c'est quoi, une hache de jet, je pense? Ouais.
Parfait pour Kagan. Il n'a plus besoin de son arbalète maintenant. C'est des potions qui se stockent pas assez pour Kagan. Je veux pas parler. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui doit disparaître? Maintenant, on va se débarrasser de quelques araignées. Vous m'avez barré. Vous feriez mieux de prêter attention. Là, je suis sûr qu'il y a un piège. Au jour merveilleux. Kalou, Kali. Et je suis sûr qu'il y a des araignées. À moins que ce soit les araignées éclipsantes qui nous sont tombées dessus. Parlez. Sans probablement, il y avait les araignées éclipsantes. Oui. Ah, il y a encore ça, hein, des belles bêtes. Oui. Ça a intérêt. Ah. Là, il y a un piège. Qu'est-ce que c'est ? Ce sera fait. Parfait. Qu'est-ce qui doit disparaître? Laissez-moi tranquille si vous ne voulez pas que je vous décapite. Un peu plus bas, il y a un piège et d'autres araignées. Je sais plus où c'est. Ah là, là, je pense qu'il y a un piège. Parlez. Certainement. Vous m'avez... Quelque chose a dû vous échapper. Là, c'est le genre de salle où il y a des araignées. Hop, 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 qui me tombe dessus. J'ai pitié de votre courte vie. Stop. Attaque Edwin, c'est pas bon. Ça a intérêt à en valoir la peine. Je ferai votre taille. Et enquiquiner quelqu'un d'autre. Remontez des Edwin, là. Jal Kalès. C'en est fini de vos vies inutiles. Ah mais il y a... Chanteur, je défends d'une main. Ah, il y a deux araignées. C'est pas bon ça. Ah, au secours. Edwin, t'es mal barré. Vous commencez à... Je ne comprends pas cette magie de la souris. Ah. Qui me fait faire vos quatre volontés. Sans aucun doute. Il me faut une... Le seul truc qui soit mieux que de l'or. C'est encore plus d'or. Si moi, j'avais 2000 ans et un chapeau pointu, dites-moi ça, j'en ferais autant. Sinon plus. Je veux pas parler. L'île à l'urne, au nom de Charles. Occupez-vous de votre lame. Non. Rien là, on ira après. Parlez, j'attends vos instructions. Vous m'avez déjà parlé. Exploré le reste. Allez enquiquiner quelqu'un d'autre. Oui, je suis d'accord. Par là, bah il y a un piège, je suis sûr, et puis il y a des araignées. Je me suis pris le piège une paire de fois lors de parties précédentes, donc je sais qu'il y a un piège, et je sais qu'il y a des araignées ici dans ce bloc. À moins que là encore ce soit les araignées éclipsantes de tout à l'heure. Eh ben non. Piège désamorcé, très bien. Allez, butez-moi ça. Qu'est-ce qui doit être ? Occupez-vous de votre lame. Et la rivière de vin. Elle est rapide. Elle est rapide. Fuis, fuis mon taron. Parlez, ce sera fait. Ok, en principe, je crois qu'il n'y a plus de piège. Bon, y a peut-être des araignées ici. Oh, vous commencez à me porter sur les nerfs. Non ? Oh, je m'étonne. Alors, il n'y a plus de piège. Ne dormez que d'un œil. Par contre... Mets-toi dans les ombres. Voilà, dans cette zone. Comme on peut voir, des statues. Et qui dit statue? Bah dit basilic. Deux basiliques. Xarpé. Votre voix est exquise. Vous feriez mieux de prêter attention. Non. Au jour merveilleux. Alors bizarre, tu vas pas t'embêter. Qu'est-ce que t'as dans ton escarcelle? Tu vas balancer une toile d'araignée. Il cactus fulcus. Voilà, immunisation. Tu vas balancer un nuage mortel.
Incactus Fulcan. Qu'est-ce qui doit disparaître? Quelque chose vous dérange? Un piège à crâne, j'en utilise pas très souvent. C'est pas mal, ça fait des dégâts. Si j'ai pas le choix. Une charge de boule de feu. Et voilà. Bon, l'autre il devait crever, il devrait crever d'ici peu. Oui. Il rêve. Certainement. Qu'est-ce qu'il fait? Vous venez encore, ne venez pas me déranger. Maintenant que je mets au point un plan pour vous renverser. Qu'est-ce que c'est? Oh, bah c'était juste. Parlez, hop. Sans aucun doute. Les anneaux, on ramasse pas. Là, on est à la sortie, quasiment à la sortie. On va être accosté par un personnage qui nous prend pour Pratt et ses hommes. Ah, c'est pas trop tôt. Nous ne devons pas faire attendre Sarvok. Ouais, on va pas aller dans la dentelle, on va lui dire « Je n'aime pas être la cible d'un complot !»« Oh, ça vous ennuie si je ne reste pas pour me battre ?»« J'ai des choses sérieuses qui m'attendent !» Alors, dans le jeu original, on peut le tuer avant qu'il s'en aille, pas avec Baldur's Gate Trilogy. Mais de toute façon, on le reverra à la fin. Votre groupe avant d'aller plus loin. Ça fera partie des adversaires finaux. La vie continue d'être un véritable défi. On vous accuse d'avoir assassiné les responsables du trône de fer, et le poing enflammé ne vous lâchera certainement pas d'une semelle pour cette raison. En dépit de tout, vous devez retourner à la porte de Baldur, l'antre même de vos accusateurs. Vous devez retrouver et démasquer celui qui vous a mis dans ce guépier. Vous devez retrouver Sarvok. Fin de chapitre. Donc là, en principe, on retourne à la porte de Baldur. Dans mon installation, il y aura la deuxième partie du mode Secret of Moonhill qui va se déclencher. Donc je vais arrêter là la session. Allez, bye bye!